Bon, tu m'as demandé là pour le Snapchat LVM, tu vas voir, c'est tout simple. Hop. Alors, je vais enlever celui qui existe, on va en créer un nouveau, ça tombe bien. Donc celui-là, il est sur, je sais plus. Donc on va lister. Voilà. Donc celui que je vais enlever et refaire, c'est celui-là. Donc dans VGH. Home snap Mars. Yes. Donc, tu vois, c'était celui-là là, que j'ai enlevé. Donc nom du VG, nom du LV. Ça correspond à au différentiel. Ça indique juste quel est celui d'origine. Donc en l'occurrence, celui-là. Donc comme tu vois, le snapshot peut être très petit en proportion. Moi je mets 20%, il y a des gens qui mettent même jusqu'à 10%. Donc pour le recréer, c'est extrêmement simple, hein, c'est pareil qu'un LV create classique. Donc tu définis la taille d'origine dont je viens de parler, donc là moi je mets 20% par habitude. 20% origine. On dit attention, c'est bien un snapshot, c'est pas un nouveau disque. Hein, donc là faut vraiment pas oublier ce paramètre-là. Sinon, il crée juste un LV comme si on voulait créer un LV standard. Simplement en se basant sur les 20% de la taille d'origine et c'est tout quoi. Je pense que les versions modernes même détectent que quand on déclenche une option moins 20% origine, je pense qu'il définit par défaut que c'est une demande de snapshot et si on a oublié le paramètre, je pense qu'il met un message erreur et qu'il ne le crée pas. VGH et on a dit c'est LVP. Donc on va faire ce qu'on va faire le test même, tiens, pour s'en assurer. Voluntary failure, juste au cas où. Non, c'est bon, il est interdit de le faire, donc il n'y a pas de souci. Donc comme ça au moins on est sûr. Donc voilà, donc la bonne syntaxe, hein. Tu n'oublies pas petit L cette fois-ci, surtout pas grand L. 20% origine ou 10% d'origine, ça représente le pourcentage de taille par rapport au volume d'origine. Snapshot pour bien spécifier que c'est un snapshot. On lui donne un nom, ça c'est classique. Et le chemin d'accès direct, pas celui du mapper, du LV qu'on veut copier dans notre snapshot. Et donc là bien sûr, hop. On retombe directement celui qu'on vient de créer. Il y a déjà un petit peu de delta, mais c'est normal, j'ai la machine qui travaille en ce moment. Voilà, donc normalement, maintenant, tu n'as plus de problème pour travailler avec ça. Et puis, si jamais, tu me téléphones. Ciao!